Salut à tous, moi c'est Junior, la grosse victime que vous voyez ici. Avant, ça n'allait pas. Je savais pas du tout me défendre. Les gens me marchaient dessus, me frappaient, me mettaient des droites, ne me respectaient pas. Puis un jour j'ai dit stop. J'ai décidé qu'il fallait que je change. Et j'ai décidé de devenir un homme. J'ai mis alors mes compétences au service de la police pour les aider. Et ils m'ont muté en Suisse. Sinon tu viens d'où? Moi je viens de Paris et toi? Mais non, moi aussi. Bah je pense que si on est muté ici c'est qu'on est fort, non? Non du tout. Comment ça? T'as lu la lettre? Celle que t'as reçue là, tu l'as lu? Net, enfin, non? Moi j'ai reçu une lettre comme quoi ici j'ai arrêté plein de gens, plein de truands, etc. C'est ça la lettre que t'as reçue toi? Ouais. Ouais bah voilà. C'est à dire que t'es nul. Ah merde. Genre t'es nul, ils t'envoient ici parce que t'es nul. Ici t'en essaies, genre ils viennent. Ils t'envoient ici et puis... Tu dois arrêter des gens. Donc en gros c'est une remise à l'épreuve, c'est ça? Exact. En se motivant, on va arrêter des gens et qu'on va retourner à Paris, mon gars, c'est bon? Vas-y. Et si c'est un lieu sensible, et je suis sûr qu'il va se passer quelque chose. Ne bougez pas! Il est interdit de jeter des ordures dans le parc, alors tu vas prendre la bouteille et tu la mets dans la poubelle! Tout de suite! Fais-moi la maline maintenant, hein! En fait, voilà, on va ramasser la bouteille. Désolé, madame, pour le dérangement. Putain, j'ai encore avec une merde comme toi, là. Je suis pas une merde. Ramasse. Espèce de merde. Yo, yo, yo. Hey. C'est quoi les mecs là-bas, là? Yeah, give me the number. Hey, give me your number. Yeah, give me the number. Oh. Give me your number. Give me the number. Take it right now. Give me your number! Give me your number! Yeah, right now! Give me your number! Faites quoi? Give me your number! Give me your number! Come on, go! Je te rappelle de moi, hein! Je suis malin maintenant! I made up my mind! Mais si on l'arrête, on est repris à Paris, mon gars. Il faut qu'on aille. Main en l'air, à genoux, à genoux. Fais-moi la maille maintenant, hein. Pose le sac, va la menotter. Hein? Va la menotter. Fais ça comment? J'avais fait ça. Bref, j'y vais. Attends, bouge pas. T'es sûr? Je voudrais juste savoir un truc, est-ce que Berlin il meurt à la fin? Il meurt, bâtard! Ceci, mesdames et messieurs, était le dernier jour de ma vie. Car ce jour-là, je suis tombé sur la personne qu'on surnomme El Profesor. Une personne très intelligente, qui aurait tout calculé. En l'air! Dans les moindres détails. Bah en fait, voilà, on va ramasser la bouteille. Désolé, madame. J'ai encore avec une merde comme toi, là. Je suis pas une merde. Tout a commencé à partir. Vous vous demandez sûrement comment on a pu tomber dans le panneau. Comment j'ai pu me retrouver face à El Profesor. Et bien, je pense que cette personne a manigancé les mutations de police pour que je me...